Donc j'ai le plaisir de vous dire quelques mots sur Monsieur Didier Bottineau, et qui est chargé de recherche au CNRS, à l'UMR ICAR, à l'UNS de Lyon. Il étudie les relations entre la typologie linguistique des langues naturelles et la manière dont l'expérience de la parole constitue l'expérience vécue et participe à l'homonisation. Didier Bottineau étudie entre autres des langues romanes, germaniques, celtiques, le basque, mais aussi des langues amérindiennes comme le guarani ou la langue des Inuits. Il a développé une théorie de la relation entre la structure du signifiant linguistique et l'amorçage des processus interprétatifs, la connématique, qu'il a amené à étudier le langage humain sous l'angle de l'approche énactive. Alors, cette approche énactive, cette théorie de l'énaction est dite la quatrième révolution cognitive après la cybernétique, le cognitiviste et le connexionnisme. Et Didier Bottineau, c'est en fait le précurseur, le porte-parole, et c'est lui qui a inauguré donc la série de colloques internationaux sur le thème langage et énaction. Cette approche amène Didier Bottineau à s'intéresser à divers domaines connexes tels que les systèmes de communication animaux, la formation des mondes vécus, naturels et modifiés, dans le cadre de diverses collaborations interdisciplinaires, entre autres avec le neurophysiologue Alain Berthaud. Didier Bottineau est aussi un enseignant de langue, entre autres dans les écoles d'ingénieurs. Il s'intéresse aussi à certaines applications, en particulier la didactique des langues étrangères, et participe actuellement à l'inauguration d'un laboratoire sur cette thématique. Voilà, je lui laisse la parole. Bien, merci. Alors, il y a donc dans le titre, peut-être me mettre debout comme ça pour tout le monde, quelques termes un peu mystérieux que j'aurai l'occasion de définir. Donc le titre est « La synthèse des mondes vécus, animaux et humains ». J'insiste donc sur le thème « synthèse », c'est-à-dire qu'un monde vécu, précisément, n'est pas quelque chose que l'on reçoit passivement à partir du traitement du signal et qu'on se tenterait de traiter un peu comme un signal porteur d'une information, comme dans le paradigme calculatoire cognitiviste. Là, on va dire au contraire que le monde vécu, précisément, est construit par le corps vivant et par les organes sensoriels dans leur contexte. Le système oculaire, le système visuel, le système auditif, le système tactile, dans le contexte d'un corps marchant et agissant, et dans le contexte d'un corps marchant et agissant, en fonction non seulement de ses propres règles biologiques dues à l'héritage inscrit dans l'ADN et dû donc à la constitution du corps, mais l'héritage du fonctionnement corporel est aussi un héritage culturel et social, puisque bien sûr, nous nous inscrivons dans un système de pratique qui est celui de l'espèce à laquelle nous appartenons et éventuellement la communauté à laquelle nous appartenons dans le cas de l'humanité. Et donc, du coup, je vais aborder une coordination de dispositifs de persaction. Donc, le remplacement du mot perception par persaction est d'Alain Berthaus, neurophysiologiste du Collège de France, professeur honoraire, et spécialiste de la chaire de la perception et l'action. Et le mot valise persaction, qui est d'ailleurs intraduisible en anglais à cause de la cédille, qui pose tous les problèmes possibles de ce côté-là en matière de traduction et de terminologie. Le mot persaction insiste donc sur le fait que la perception est elle-même une forme d'action qui s'ignore et qui se produit dans le contexte d'un corps vivant qui est toujours en action et qui porte la mémoire de ses propres systèmes d'action. Un exemple très simple, on a évoqué beaucoup depuis le début du colloque la notion d'horizon. La notion d'horizon telle que va pouvoir la construire un corps humain dans un contexte social humain va dépendre du fait que l'on marche. La notion d'horizon telle que pourrait la construire le corps d'un oiseau migrateur va dépendre du fait que cet oiseau navigue dans l'espace dans des conditions visuelles où l'horizon va être perçu comme coulissant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous installer en ville ou à la campagne et vous mettre à courir et mettre l'horizon en mouvement par votre déplacement spatial. Autrement dit, vous aurez un horizon frontière, vous allez fatalement construire un horizon dont les propriétés dépendent des propriétés incarnées, kinésiques, dynamiques
de votre corps et de ses règles de fonctionnement au sein de l'espèce. Et c'est vrai aussi dans d'autres espèces. Un horizon aviaire pourra être construit en fonction des propriétés biologiques et collectives, des coordinations sociales au sein de l'espèce aviaire. Donc cet exemple illustre quelques-uns des grands principes de la cognition incarnée. C'est-à-dire que tous les faits d'expérience, tous les faits de sens, tous les faits de construction du monde, tous les faits de catégorisation, toutes les impressions sensibles se construisent dans le contexte d'une dynamique corporelle qui est individuelle, mais qui est elle-même emportée dans une dynamique de coordination sociale et de coordination spéciale, propre à l'espèce. Alors, on va aborder cette question dans différents domaines. D'une part, dans des domaines d'ordre inconscient, c'est-à-dire qui s'ignore et donc qui relève de l'éthologie, qui relève de la perception au sens classique, c'est-à-dire que cette notion de synthèse de monde vécu, elle s'ignore en tant que synthèse. Le monde que vous voyez autour de vous, il est bien matériel, il est bien solide, il y a aucun doute, quoi. La table est là, le sol est là. Si je fais un pas de trop, je vais tomber de la scène, etc. Donc le monde que je vois me rappelle continuellement qu'il est réel, qu'il est là, il est matériel, il est indéniable. Et même chose pour mon propre corps. Je veux dire, ma proprioception de mon propre corps, de l'intérieur ou de l'extérieur, me rappelle continuellement que je suis moi et je n'ai aucun doute sur mon existence en continu dans l'espace et dans le temps. Pourtant, tout ça, c'est une espèce de vaste cinéma. C'est Chris Frith, britannique, qui a écrit en 2009 un livre qui a été traduit en français sous le titre « Comment le cerveau invente l'esprit ». Mais le titre anglais, c'est « The Making of the Mind ». Et « The Making of the Mind », il faut comprendre « making of » au sens de trucage cinématographique. Tous ces ouvrages que vous verrez sur « The Making of Star Wars »,« The Making of Avatar », »,« Le Making of Avatar ». Et donc la grande question posée par la cognition incarnée et sa manière de revoir la question des Umwelt, des mondes vécus, qu'ils soient animaux ou humains, c'est finalement comment fonctionne ce making of. C'est la question numéro un. Comment fonctionne ce making of? Et donc a posteriori, the making of what? C'est-à-dire finalement à partir de cette dynamique de making of, c'est seulement a posteriori qu'on peut s'interroger sur le véritable contenu du monde vécu. Alors, dans notre cas d'être humain, évidemment, le monde vécu est une évidence, puisque justement, le making of se cache, et le monde vécu s'affirme, et du fait que le making of, du fait que sa constitution se cache derrière les coulisses du corps biologique, et derrière les coulisses de ce que Berthaus appelle la perception, vous voyez pas le making of, et donc, du coup, vous vous percevez comme réel, matériel, et le monde avec. Voilà. Par contre, quand vous vous engagez dans la cognition animale, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que si vous allez observer de près le corps de l'animal, la communauté de l'animal, son fonctionnement éthologique, vous allez avoir accès à quelques-uns des éléments observables du making of vu d'un point de vue extérieur et humain, donc avec tous les problèmes de sémiosis, d'interprétation que ça peut poser, et vous n'avez aucune idée de ce à quoi ce making of aboutit. Par contre, vous pouvez méthodiquement vous poser les questions et vous interroger sur ce à quoi on aboutit. Et j'en donnerai des exemples, donc je vais suivre mon PowerPoint, mais en même temps, comme je suis réactif à beaucoup de choses, en général, je les suis assez peu, mes PowerPoints, et il s'est dit beaucoup de choses dans le colloque qui me donnent envie de dire des choses que j'avais pas forcément prévu de dire, mais qui rebondissent un peu. Alors, un exemple, il y a eu une exposition au Palais de Tokyo il y a quelques années, sur justement les Umwelt et la cognition animale. Et un exemple qui était donné, c'était une projection vidéo sur un grand écran, et on vous disait, voilà, on a accroché des petites caméras genre webcam sur un aigle, et voilà ce que l'aigle voit. Et donc, vous avez une image, mais c'est terrible, quoi, parce qu'il y a le vol de l'aigle qui est d'une instabilité absolument extraordinaire, et donc l'image vibre, saute, et vous ne pouvez pas regarder ça 10 secondes sans avoir la vision complètement troublée. D'accord? Et en fait, c'est complètement idiot. L'aigle ne voit pas ça. Parce que ce que vous donne l'écran, c'est le signal. Ce n'est pas la perception. C'est-à-dire, ce n'est pas l'expérience visuelle que le système corporel de l'aigle va cuisiner à partir de ce signal. Et donc,
l'expérience a ceci d'intéressant qu'elle nous donne le signal, mais elle ne nous donne pas plus. Et vous avez des travaux en biologie et en éthologie qui vous montrent, par exemple, que chez les pigeons, le mouvement de va-et-vient de la tête est compensé par un système neurologique qui fait fonctionner en stroboscope la perception visuelle de l'animal, ce qui fait que quand le pigeon se déplace et marche, il ne se perçoit pas en train de basculer la tête d'avant en arrière. Vous savez, ce mouvement d'équilibrage du coq, qu'on avait d'ailleurs déjà chez certains dinosaures et qu'on voit dans Jurassic Park, ce mouvement de bascule d'avant en arrière, il faut absolument qu'il soit compensé. Sinon, il est impossible de construire un champ visuel vivable, ergonomique, efficace et confortable. Il faut quand même que l'animal se sente bien dans sa peau et dans le monde, et que le monde soit engageant, hein, qu'il s'offre à la palpation au sens merleau-pontien. Et pour ça, il faut que la perception cuisine un monde correct. Vous avez le même problème avec les campagnes anti-alcooliques, contre l'alcoolémie, où on vous montre une image brouillée et on vous dit « voilà ce que vous voyez quand vous avez 0,8 g d'alcool dans le sang ». Mais n'importe quel alcoolique vous dira « c'est faux ». Et comme tout étudiant qui se respecte, il m'est arrivé de conduire en état légèrement éméché, je ne vais pas dire d'ébriété, c'est pas vrai, mais avec un petit peu d'alcool. Et on sait tous, par expérience, que ce qu'on ressent et ce qu'on voit quand on conduit avec une très légère alcoolisation, ça n'est pas ce qu'on nous montre dans les campagnes style prévention routière avec prétendument un taux d'alcoolisation comparable. C'est faux. Pour la simple raison que l'image qu'on vous a construite est faite à partir d'un traitement informatique et calculatoire du signal sur lequel se base la perception, alors que l'expérience vécue se fait sur la cuisine, le traitement, la composition d'un monde réel vécu qui se fait dans le contexte d'un corps vivant. Et par exemple, là, vous voyez une image en gros stable. Mais si je joue Alien sortant de sa soucoupe, si je joue E.T. sortant de sa soucoupe et que je vais faire des mesures biométriques de votre dynamique oculaire, je vais détecter des saccades oculaires, il y a beaucoup de travaux là-dessus, je vais détecter des mouvements de paupières, il y a beaucoup de traitements, il y a beaucoup de travaux là-dessus, et en tant qu'extraterrestre, je vais inférer un système visuel humain à partir de ce que j'ai observé comme propriété biomécanique de l'œil et de la paupière, et je vais arriver à du grand n'importe quoi, c'est-à-dire un modèle d'expérience visuelle qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous vivez en réalité. Et donc là, j'attire votre attention sur le fait que la perception nous donne une espèce d'enseignement, c'est qu'il y a un écart très important entre ce que vous pouvez construire comme modèle de perception sur la base d'un modèle assisté technologiquement et d'un point de vue d'observateur en troisième personne, c'est-à-dire extérieur au corps dont on est en train de parler. Il faut aussi essayer de construire un modèle en première personne. Alors, bien sûr, c'est une fiction. Je veux dire, c'est de la pure utopie. On ne va jamais se projeter à l'intérieur du corps de l'oiseau ou du requin ou de la baleine ou même du voisin. Cette projection empathique n'aura jamais lieu. Il y a simplement que, avec une méthode un peu disciplinée qui se fonde sur un questionnement un peu ajusté, une terminologie un peu adéquate, fondée sur les notions de sympathie et d'empathie, de phénoménologie en première, deuxième et troisième personne, et même de phénoménologie remplacée par une phénoménogénie, c'est-à-dire genèse des phénomènes apparents à partir de l'inscription corporelle, individuelle, coordonnée et sociale, à ce moment-là, on se pose les questions à peu près dans les bons termes, enfin il me semble, et surtout on est en mesure d'évaluer l'écart entre la qualité du modèle qu'on est en train de réaliser et ce vers quoi il devrait tendre. Si au moins on accède à ça, à ce moment-là on commence à accéder à un minimum de lucidité et de bonne volonté intellectuelle. Et si on fait pas ça, on est un peu perdu, quoi. En tout cas, moi je suis perdu. Donc là, je résume très brièvement, de façon complètement caricaturale. Je reprends Varela 1990, où il l'a dit plusieurs fois, mais il l'a dit de façon très succincte dans un petit ouvrage de poche en 90. Il distingue quatre révolutions en sciences cognitives successives. L'une qui est la cybernétique avec rétroaction, etc. La seconde qui est l'apparition du paradigme dit cognitiviste, computationnel, classique, avec, alors je caricature, l'idée de la métaphore du cerveau comme
ordinateur avec des systèmes entrants, de la perception, les systèmes sortants, la motricité, un système calculatoire, la construction d'un modèle représentationnel, mimétique ou autre, ou symbolique, dans le cas de, notamment dans le cas de la linguistique chomskienne pour le langage. Bref, un monde qui en représente un autre. Et un système de représentation symbolique fondé sur des signaux entrants et sortants et du calcul. Et comme le signal est porteur d'information, du coup, le calcul, dans l'approche non incarnée du paradigme cognitif, et bien du coup, les propriétés du calcul ne sont pas dépendantes du contexte corporel au sein duquel le calcul se réalise. Ce qui fait qu'en gros, on voit le même monde, et même si on le voit un peu différemment, parce que nos systèmes de calcul sont paramétrés différemment, les umwelts vont varier à la marge, à la périphérie, d'une certaine façon, mais ils vont pas varier au cœur même de leur constitution. Ensuite, paradigme 3, alors j'en ai sauté entre les deux, c'est le paradigme connexionniste. Bon, je vais pas parler de celui-là parce qu'il est pas, enfin, c'est intéressant, mais c'est pas pertinent pour mon propos d'aujourd'hui. Et paradigme 4, le paradigme inactiviste, qui vous dit donc que le monde en soi est inaccessible en tant que tel. Personnellement, j'appelle ça le X-monde. Hein, si vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que le monde à percevoir? Qu'est-ce qu'il y a à voir autour de vous? Ben, on vous dira des bosons de Higgs, des neutrinos, des photons, des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire toutes sortes d'abstractions construites par les physiciens à travers une démarche conceptuelle, discursive, terminologique et bien sûr technique. En tout cas, le monde en soi, donc le noumen kantien, il est tout sauf visible et intelligible. D'accord ? Et heureusement pour vous, parce que si l'objectif de la perception était de voir le monde en soi, ben vous seriez mal, parce que vous seriez comme devant Canal Plus sans décodeur à l'époque des antennes hertziennes, c'est-à-dire que vous auriez autour de vous une complexité intraitable par un système vivant, et vous seriez dans l'incapacité totale de faire émerger quoi que ce soit. Donc fort heureusement, nous ne sommes pas là pour percevoir le monde en soi. Une autre manière de dire les choses est que la perception n'est pas épistémique. Elle n'a pas pour but de créer une connaissance qui se connaît comme connaissance exacte. La perception est pragmatique, c'est-à-dire qu'elle a pour but de faire émerger une impression du monde, un modèle du monde qui est pertinent, c'est-à-dire qui va fonctionner au sens de me permettre de me distinguer en tant qu'être vivant avec son intériorité dans le contexte d'une extériorité, distinguer un espace, des entités, des êtres vivants de mon espèce ou pas, avec qui je vais pouvoir interagir ou sur lesquels je vais pouvoir intervenir ou qui vont intervenir sur moi. Bref, réaliser des distinctions. Et donc, cette perception que l'on remplace par la perception a pour objectif premier de produire un vécu d'expérience d'ordre pragmatique, c'est-à-dire ancré dans l'action et permettant le renouvellement de l'action. Et c'est bien sûr l'observation de cette expérience pragmatique, sa récurrence, sa mise en boucle, sa comparaison d'états antérieurs avec des anticipations d'états postérieurs, etc. Bref, la prise de recul réflexif qui permet de transiter d'une cognition purement pragmatique à une cognition d'ordre plus épistémique, où se pose la question des objets, des entités, de la catégorisation, des connaissances. Et une cognition devient toujours plus épistémique dès l'instant où elle se connaît en tant que telle, et ça se fait en particulier à travers les activités langagières. C'est-à-dire que les objets de connaissance deviennent objets de répétition, de commentaires et de concertation. C'est-à-dire que, bien sûr, le monde animal aussi est dans une cognition d'ordre pragmatique à partir de laquelle émerge l'épistémique, mais toute la question est de savoir est-ce qu'ils arrivent à distinguer les objets de connaissance en tant que tels, est-ce qu'ils arrivent à se coordonner au sujet d'objets de connaissance. On va se poser la question, par exemple, avec les dauphins. Il y a des illustrations qui montrent que la question se pose. Excuse-moi, combien de temps il me reste? Oh, c'est bien. Okay. Alors, le plan que je vais suivre... La première chose, donc je l'ai déjà largement dit, donc ça va aller vite, c'est que le réel, évidemment, il n'est pas prédonné, il n'y a pas de réalité en soi. Le réel est ontosynthétique. C'est un terme volontairement contradictoire que j'ai mis au point pour développer cette idée. Donc là, il y a tout un côté toujours très
expérimental dans la terminologie. Il y a un côté Janus dans la terminologie, c'est d'un côté, il y a le côté rasoir d'Occam où on essaye de se mettre d'accord sur un minimum terminologique avec des définitions parfaitement établies pour que la communauté se mette d'accord. Et donc là, c'est la terminologie en tant que code de la parole et en tant que règle du jeu dans toute sa dimension prescriptive et normative. Mais il y a aussi une terminologie expérimentale qui va nous permettre de distinguer des facettes de l'expérience et qui va nous permettre d'affiner nos distinctions conceptuelles qui sont d'abord intuitives avant de devenir conventionnelles. Et ça, c'est ce qu'on a fait quand on a testé reliance et puis... Sentience, bien sûr. Oh, merci. Reliance et sentience, ou bien quand on a fait cette remarque sur la différence entre le rôle de A et de E, selon qu'on écrit reliance avec A ou E, et où on va entendre la différence dans d'autres langues romanes, et qu'en fait, si vous faites l'expérience de remplacer le A par un E dans chacun, ou l'inverse, dans chacun des mots, vous allez réellement vous faire concevoir une distinction qui n'était pas prédonnée. Et en concevant cette distinction, vous l'observez, et c'est à ce moment-là que vous vous demandez si elle est véritablement pertinente ou pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous créez un terme, de toute façon, vous allez créer quelque chose, vous allez créer une catégorie conceptuelle et surtout un principe de distinction, et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il nous sert à quelque chose ou pas ? Et en réalité, dans la plupart des cas, malheureusement, justement, ça sert. C'est-à-dire que la terminologie expérimentale, qui a des intérêts contraires à la terminologie normative, va nécessiter une concertation politique sur la manière de gérer le rapport entre les deux. Ok. Donc, le réel est ontosynthétique. Ontosynthétique, ça veut donc dire qu'il y a un travail incarné de cuisine qui permet d'aboutir à l'impression que le monde est ce qu'il est tel que je le vois devant moi. Et donc, du coup, ce réel ontosynthétique, je dis que c'est un masque posé sur l'invisible. C'est-à-dire que le monde en soi est invisible, protons, électrons, neutrons, neutrinos, bosons, ondes électromagnétiques, tout ce que vous voudrez. Et donc, il ne faudrait surtout pas qu'on sache que le monde est comme ça, parce que si nous savions que le monde est véritablement comme ça, y compris nous-mêmes, vous ne seriez même pas en mesure de faire la distinction entre votre corps propre et ce qui ne relève pas de votre corps propre. Et donc, ce serait une condition de non-viabilité. Donc la production d'un réel ontosynthétique est absolument vitale. C'est ça qui crée la condition de la viabilité, de la reconnaissance de soi, de l'engagement, de la survie et de l'expérience du bien-être dans un monde qui nous apparaît comme beaucoup plus confortable et rassurant et ergonomique qu'il ne l'est en réalité. Alors, donc, monde ontosynthétique. Une autre métaphore possible, toujours de la terminologie un peu expérimentale et quelquefois un peu poétique, c'est qu'on peut parler de Fata Morgana dans un double sens. Fata Morgana, d'une part, c'est un type de mirage très particulier qui crée une conjonction entre plusieurs réflexions et qui vous crée, par exemple, l'impression que la Corse se trouve au large de Nice. C'est un phénomène météorologique qui peut se produire. On voit la Corse au large de Nice à cause de conditions météorologiques qui vont produire une réflexion particulière et qui vont faire apparaître la Corse comme si elle était matérielle. Mais la Fata Morgana, c'est aussi la fée Morgane de la tradition arthurienne, c'est-à-dire la fée qui est capable de faire apparaître par son souffle, hein, c'est ça qui est important, la fée Morgane fait apparaître par sa voix et par son souffle un château au-dessus des nuages. Et un château qui apparaît comme matériel, un château qui apparaît comme vrai. Autrement dit, Fata Morgana vous parle de deux choses. Il vous parle du corps créateur d'une impression vécue comme vraie et il vous parle de l'impression elle-même. C'est-à-dire que l'expérience vivante, c'est exactement ça. C'est avoir un corps qui fonctionne comme Fata Morgana et qui va vous créer une impression de réalité matérielle qui relève de la Fata Morgana. Mais de la Fata Morgana, c'est-à-dire le mirage. Mais le mirage qui s'ignore, bien sûr, en tant que mirage, et le mirage qui a des propriétés multimodales, c'est-à-dire qu'il n'est pas que visuel, il est aussi tactile, auditif, olfactif et éventuellement gustatif. Et enfin, la Fata Morgana, comme elle a été créée par le corps propre de la Fata Morgana vivante, c'est-à-dire la fée Morgane que nous sommes tous, que chacun d'entre nous, eh bien du coup, la Fata Morgana apparente autour de nous va être imprégnée de la sensorimotricité du corps qui l'a créée. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez un sol horizontal, vous le connaissez en tant qu'espace sur lequel on marche,
Quand vous percevez une porte, vous la connaissez en tant qu'espace que l'on pousse de manière à pouvoir franchir un obstacle. Quand vous voyez un mur vertical, vous le connaissez en tant qu'obstacle qui va délimiter la pièce et qui va bloquer aussi le franchissement. Alors que lorsqu'un chat perçoit, par exemple, une table, il la perçoit en cuisinant dans sa perception sa propre expérience motrice, et donc le chat perçoit la table en tant qu'horizon, c'est-à-dire en tant qu'espace sur lequel sauter pour aller s'installer confortablement, ou en position dominante, ou objet sur lequel il pourrait y avoir un objet avec lequel jouer, ou espace sur lequel il pourrait y avoir de la nourriture à chaparder. C'est-à-dire que le chat va voir la table en tant que, parce que son expérience sensorimotrice est intégrée, de manière masquée, mais intégrée à la synthèse visuelle que l'on appelle donc ontosynthèse. Vous voyez, ontosynthèse du réel. Et donc, pour le chat, la table, c'est un truc sur lequel on va pouvoir sauter pour tout un tas de raisons. Ce n'est donc pas votre table. Et ce n'est pas la peine. Et donc, il va falloir parler de la table humaine et de la table féline. La seule solution pour s'en sortir, on peut garder le même mot, mais il va falloir dire qu'on a une table humaine, c'est-à-dire que l'expérience visuelle et autre va vous présenter en tant que réalisation d'un principe de perception répété à l'occasion des rencontres et dans le cadre d'un domaine, ce que Maturana appelle le domaine consensuel d'interaction de type humain ou de type félin. Donc vous ne voyez jamais la table, vous voyez la table en tant que. Voilà. Et le chat, pareil. Et ce n'est pas la peine d'essayer de lui donner des ordres de ne pas sauter sur la table. Il ne vous comprendra jamais. Et il vous comprendra jamais, pas simplement parce qu'il y a un problème d'échange avec le langage humain. C'est pas essentiellement ça. C'est que de toute façon, cette table, il la voit en tant qu'autre chose que vous. Et vous, quand vous lui parlez de la table en langage humain, vous lui parlez de la table humaine, pas de la table féline. Donc vous n'arriverez jamais à vous coordonner avec le chat, quelles que soient les choses que vous utilisez. Si, à la limite, vous arriverez à le conditionner, à créer des stimulus-réponses, s'il se prend un coup de bâton à chaque fois qu'il saute dessus, ça risque de marcher. Mais ça, là, il n'aura rien compris. Vous n'aurez pas communiqué. Vous aurez simplement mis en place un réflexe de type quasiment pavlovien. Et encore, avec un chat, ça ne marche pas, de toute façon. On parle bien du chien de Pavlov, le chat, on peut toujours courir. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, voilà un peu pour cette idée de réalité ontosynthétique ou de fata morgana créée par la fata morgana qui est le corps. Alors, pour être tout à fait clair, la fata morgana corporelle en tant que corps créateur n'est évidemment pas ce que vous voyez. D'accord ? C'est précisément ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est déjà la projection de votre propre corps dans la fata morgana, c'est-à-dire le mirage, qui a été synthétisé par la perception. Mais par contre, le corps fata morgana créatrice reste désespérément, éternellement derrière le rideau du mirage. Okay ? Et le corps créateur en tant que tel, le véritable corps propre au sens merleau-pontien, il est invisible, inévitablement. Okay ? Alors, ce à quoi je m'intéresse finalement, c'est cette ontosynthèse. Et on va s'intéresser à trois dispositifs de perception qui jouent un rôle déterminant dans cette synthèse de réalité. C'est d'une part le corps individuel, donc végétal, animal ou humain, c'est-à-dire finalement comment ça fonctionne, on l'a déjà assez largement évoqué. Deuxièmement, le langage humain en tant qu'activité complémentaire, c'est-à-dire que le langage humain va jouer un rôle justement dans l'augmentation et dans la réorientation de la perception typiquement humaine. Et puis troisième point, si j'ai le temps d'arriver jusque-là, des dispositifs techniques dont le développement dépend lui-même, bien sûr, de la coordination collective par le langage humain, et dispositifs techniques humains qui refondent totalement, disons assez radicalement, notre environnement, encore une fois, notre environnement en tant que produit de conscience, notre environnement en tant que produit de perception. Et bien sûr, comme notre action corporelle va dépendre de la manière dont nous avons perçacté le réel, du coup, nous allons agir dans le mirage, mais l'action dans le mirage a une incidence sur le monde en soi, le monde invisible. Ce qui fait que ce que vous perçactez de telle ou telle manière va avoir que vous allez à nouveau intégrer dans votre perception en boucle. Et donc, finalement, vous avez cette impression, j'ai l'impression qu'il y a une bouteille, que je peux la prendre. En fait, c'est pas. Et donc, quand je dis je prends la bouteille, c'est non. C'est le Didier que je persacte prend la bouteille qu'il a persactée. Et donc, voilà. Donc, ce que je vois n'est pas ce qui se passe.
D'accord ? Et donc, on est comme dans la matrice, le film, cette fois. C'est-à-dire que le réel que l'on voit et que l'on vit n'est pas ce qui se cache derrière, mais on n'est pas non plus dans le solipsisme, hein, parce que dans le paradigme inactiviste, on a souvent dit, oui, du coup, vous êtes dans une espèce d'umwelt entièrement synthétique, et à la limite, vous vous passez complètement du X-monde qui se trouve derrière. Non, pas du tout, puisqu'il y a bel et bien un X-monde derrière, et le X-monde derrière, c'est bien pour ça qu'on utilise un terme comme X-monde, c'est pour reconnaître son existence et reconnaître son rôle fondateur et constitutif. C'est-à-dire que quand j'attrape la bouteille, j'attrape donc dans le mirage ce que j'ai percepté comme une bouteille. Et effectivement, du coup, j'ai un retour sensoriel tactile. C'est-à-dire qu'il se passe bel et bien quelque chose dans le monde physique qui fait que je vais avoir à nouveau un retour événementiel au niveau des signaux que je vais pouvoir réintégrer dans ma perception et je vais me voir prenant la bouteille. Et si je me vois prenant la bouteille, c'est parce qu'il s'est passé derrière quelque chose qu'il faudrait appeler autrement, mais qui est co-indexé. Ce qui fait que cette cognition, comme je le disais, elle est bien pragmatique, c'est-à-dire elle est efficace. C'est-à-dire, c'est un modèle, mais ce modèle n'est pas n'importe quoi. Il fonctionne. Alors, un autre exemple aussi qui vous illustre ça très bien, ce sont les apories éléatiques, les apories de Zénon d'Élée. Alors, Zénon d'Élée, il donne cet exemple bien connu de l'archer qui tire sur la flèche, et il nous dit, ben voilà, la flèche fait la moitié du parcours, puis la moitié, puis la moitié, puis la moitié, puis la moitié, puis la moitié. Comme ceci à l'infini, on a une asymptote. Et donc, théoriquement, la flèche n'atteint jamais la cible. Voilà, c'est le paradoxe de la flèche qui, mathématiquement, n'atteint jamais la cible. Et comment est-ce qu'on se sort de là? Eh bien, on se sort de là tout simplement en reprenant correctement la question de l'observation. C'est qu'à mesure que la distance se réduit, vous êtes donc obligé de considérer chaque objet flèche et cible de plus en plus près. Or, il y a un moment où la flèche devient un ensemble de molécules, il y a un moment où la molécule devient un atome, il y a un moment où vous vous rapprochez trop de l'atome et vous tombez dans des unités encore inférieures, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vous sortez du domaine de définition et de perception où la notion de flèche et de cible est pertinente. Et à mesure que les deux se rapprochent et que vous rapprochez en tant qu'observateur, eh bien les objets que vous aviez constitués initialement, flèche et cible, par la perception et par le langage, eh bien en fait ils se désintègrent ces objets. C'est-à-dire que donc, quelque part, Zénon d'Élée a raison, la flèche n'atteint jamais la cible pour la simple raison qu'arriver à un certain niveau d'observation et d'ordre de grandeur dans l'infiniment petit, on est obligé de détruire la flèche et la cible et de les considérer comme non pertinents parce qu'il n'y a plus de flèche, il n'y a plus de surface, il n'y a plus de cible, il n'y a plus d'impact. Ce sont deux espaces énergétiques qui vont s'interpénétrer et donc la manière dont il faut en parler ne relève plus d'une géométrie euclidienne et ne relève plus d'une physique matérialiste. Vous voyez ? Donc du coup, on se sort du paradoxe. Et quand on fait la marche arrière et qu'on se rétracte de cette considération du rapport flèche-cible dans l'infiniment petit, si on se rétracte, on voit réapparaître la flèche et la cible, c'est-à-dire qu'on revient dans le domaine de définition et de perception où la constitution de la flèche et la cible sont pertinents aussi bien d'un point de vue empirique et phénoménal que d'un point de vue langagier. Donc du coup, avec des expériences de pensée, des expériences intellectuelles et langagières de cet ordre-là, vous arrivez à faire varier les conditions par lesquelles vous vous faites persacter un objet et vous arrivez donc à vous apercevoir que oui, vous êtes bien dans une matrice, c'est-à-dire qu'il y a votre matrice corporelle qui par défaut vous fait concevoir la flèche et la cible sous un certain angle d'observation et de pratique, mais que par une démarche technique contrôlée à la fois techniquement et linguistiquement, vous arrivez à un second degré, faire varier les conditions de perception et donc du coup faire varier les conditions de constitution des objets et de vous-même. Et là, quand vous faites ça, vous faites varier l'ontosynthèse. Vous voyez, c'est de la variation d'ontosynthèse. Et donc du coup, on distingue bien deux niveaux. C'est de l'ontosynthèse qui se fait par défaut dans la perception primaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je perçois et que je ne fais rien pour travailler ma perception, qui est en réalité la persaction, et puis de la persaction secondaire, de niveau contrôlé, ça revient de passer du pilotage automatique en pilotage manuel, on a un pilotage automatique qui s'ignore et un pilotage manuel qui se connaît, et quand je passe en pilotage manuel, c'est ce qui se passe quand je prends un microscope à balayage, ou c'est ce qui se passe quand je réfléchis sur les paradoxes de Zénon d'Élée. Et ben quand je passe en pilotage manuel, ce que j'appelle manuel, c'est linguistique et technique, à ce moment-là, je peux faire varier les conditions de perception et donc faire varier les conditions d'ontosynthèse. Et je m'aperçois que du coup, il y a une deuxième ontosynthèse qui vient se greffer sur la première. C'est qu'on a une première ontosynthèse primitive qui s'ignore, qui se vit dans l'instant non réflexif
et qui vous donne ce qu'on appelle bêtement l'expérience de la réalité à l'instant, comme ça, voilà, il y a moi, il y a vous, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Ça, c'est l'ontosynthèse primaire qui ne se voit pas, qui est automatique, qui s'ignore. Et puis, il y a l'ontosynthèse secondaire par laquelle je complète la première. Et ça pose la question de la distinction des deux. C'est-à-dire que malgré tout, là, actuellement, vous vivez dans un monde dont vous savez que finalement, il est fait d'atomes, de molécules, etc. Et donc, vous savez, par exemple, que cet objet chaise n'a pas été précipité là par un esprit. Moi, vous êtes dans ce système de croyances-là. Vous êtes dans un système de croyances selon lequel cet objet est un assemblage d'atomes, de molécules munis de certaines propriétés physiques et génétiques, alors que vous pourriez vivre dans une toute autre société, civilisation, où un objet pourrait être la matérialisation, la réincarnation, la précipitation matérielle d'un esprit ou d'autre chose. C'est-à-dire que j'ai séparé un peu artificiellement une ontosynthèse primaire automatique qui s'ignore et une ontosynthèse secondaire orientée par le langage et qui vient compléter la première. Mais bien sûr, elles s'interpénètrent. C'est-à-dire que vous lisez le réel immédiat en fonction de tout ce qui en a déjà été dit, bien sûr. Et donc, le langage, l'activité de langage, ce que Maturana appelle le languaging, va être une activité éthologique qui nous permet de travailler continuellement sur notre ontosynthèse secondaire par le biais du langage, mais qui va aussi affecter tout à fait en profondeur notre ontosynthèse primaire, c'est-à-dire la manière dont nous concevons le réel, même quand nous n'en parlons pas. D'accord ? Et ça résout un peu le problème de l'hypothèse Sapir-Whorf sur les langues qui seraient des espèces de filtres qui permettent de voir le monde sous tel ou tel découpage, telle ou telle conception, etc. C'est pire que du découpage. C'est bien pire que ça. C'est que du coup, l'activité de langage travaille notre perception en profondeur et affecte la constitution même des choses que nous croyons simplement voir. Alors là-dessus, deux remarques. Premièrement, la notion de languaging. C'est quand même très intéressant parce que le langage, étymologiquement, c'est l'action de la langue, lingua et puis agere. On a tellement oublié que la notion de langage était l'action de la langue qu'il a fallu que Maturana aille mettre le suffixe d'accent ing en anglais pour faire ressortir cette notion d'activité qu'on avait complètement oubliée. Et aller regarder la définition, le langage, les langages humains, informatiques et autres, en général, ce n'est pas la notion d'activité qui est mise en avant. C'est plutôt la notion de représentation, d'encodage, de formalisme, de règles, de formes, etc. Alors que là, on prend vraiment le problème par l'autre bout de la lorgnette. Encore une fois, je suis iti, je sors de ma soucoupe et je regarde les êtres humains. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un truc très bizarre. Il y a des moments où ils expirent, mais au lieu d'expirer par le nez, ils expirent par la bouche. Ils en profitent pour mâchouiller alors qu'ils n'ont rien dans la bouche et ils font vibrer les cordes vocales en même temps et ça donne un truc bizarre. Voilà. Donc si je suis E.T. sortant de sa soucoupe, je vais voir les humains bourdonner et je vais voir les humains bourdonner en déviant l'air expiré de la zone nasale, des fosses nasales vers la zone orale et je vais les voir mâchouiller en même temps et faire agir les cordes vocales et produire un bourdonnement assez étrange. Voilà. Donc ça, c'est, j'allais dire, une phénoménologie primaire de l'éthologie linguistique humaine vue du point de vue extérieur d'un alien qui ne comprendrait pas et qui aurait des moyens corporels assez limités pour partager avec nous l'expérience empathique de ce qui se passe quand on parle. Vous voyez, on est ici dans une espèce de contre-phénoménologie et donc du coup, ça fait écho à une contre-anthropologie. Il y a un moment donné où il faut savoir faire l'exercice du contre et il y a des exercices du contre, j'allais dire, bien réels et bien intégrés dans l'histoire, comme on a entendu ce matin. Et puis, il y a aussi des exercices du contre qui sont des exercices de pensée que l'on va trouver dans la bande dessinée, dans la fiction, dans le cinéma, dans toutes sortes d'activités ludiques, mais qui, tout de même, ont une valeur heuristique, me semble-t-il, extrêmement importante. OK. On va avancer un peu. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Moi, je me trompe de... Ah oui, d'accord. Si je tenais le truc à l'endroit, c'est là aussi. Voilà. Donc, persaction, ça, c'est fait. Je vous ai dit, et un accent de voiture. Voilà. Donc, seule chose que j'ai pas dite, du coup... dorénavant, quand je parle de l'environnement qu'on a autour de nous, quand je parle du réel, quand je parle du paysage, quand je parle de la salle, vous pouvez à chaque fois ajouter OS derrière, c'est-à-dire ontosynthétique. La table ontosynthétique que j'ai générée par la persaction, l'observatrice ontosynthétique générée par la persaction, etc. Vous êtes tous, pour moi, vous êtes tous ontosynthétiques. Mais rassurez-vous, je le suis aussi pour vous. Vous me le rendez bien. Donc on s'en sortira.
Ok. Donc, du coup, la grande question de l'éthologie animale et de la construction d'un modèle de l'expérience animale, d'expérience de perception, de perception, de monde vécu et de communication, c'est de se poser la question, quel est le processus d'ontosynthèse auquel on va avoir droit dans un modèle de corps et de communauté sociale donnée, et quelle réalité peut-on, c'est-à-dire quelle expérience, quelle impression, quel fata morgana le corps du dauphin va-t-il faire émerger à partir de son propre corps en tant que fata morgana créatrice? Voilà, ça c'est la problématique. Okay. Alors allons voir les dauphins. Donc, là, alors les quelques alors les dauphins, bon c'est connu, les dauphins, vous avez tous vu Oum le dauphin blanc ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a des espèces de clics vocaux, ils sont très sympas. Alors c'est très complexe les clics vocaux. Déjà premièrement, sur la communication, il y a des habitudes de clics vocaux qui sont propres à certaines communautés de dauphins et qui vont donc former ce qu'on peut appeler effectivement des dialectes. On avait un petit peu évoqué la question aussi. Et ces dialectes sont très importants parce qu'ils permettent, déjà ils émergent naturellement dans toute communauté. Un temps soit peu fermé, il va y avoir une coordination interne des membres du groupe qui va mécaniquement orienter l'évolution de ce groupe de manière différentielle par rapport à un autre groupe. C'est le principe de la vicariance. Berthoz a écrit un livre sur la question de la vicariance, dérivé de la tectonique des plaques, à partir de travaux darwiniens sur la spécificité des espèces aux Galapagos. Bref, bon, là, je prends quelques raccourcis. Donc, de toute façon, mécaniquement, une communauté de dauphins va orienter ses clics dans une direction donnée et elle ne peut pas faire autrement. C'est complètement normal qu'elle se coordonne de manière spécifique, différente d'une communauté voisine. Et ça va avoir des effets bénéfiques. Les effets bénéfiques, c'est que quand on rencontre un autre dauphin, du coup, on entend tout de suite s'il fait partie de la communauté ou pas. Et donc, du coup, on va pouvoir l'inclure ou l'exclure en fonction de nos intérêts. C'est-à-dire que si le groupe de dauphins est en situation équilibrée en matière d'alimentation, protection des petits, reproduction, etc., il va l'exclure. Si, par contre, il y a un problème de besoin de brassage génétique et de recherche de gènes nouveaux et de brassage, à ce moment-là, au contraire, il va être inclus. C'est-à-dire que l'étranger ne va pas être bon ou mauvais en soi. La relation entre le groupe et l'étranger identifié par l'appartenance ou pas au dialecte va être contextuellement interprétée comme positive ou négative en fonction des circonstances et des besoins ressentis. Les besoins ressentis pouvant d'ailleurs ne pas coïncider avec les besoins réels, ça c'est encore autre chose. Eux aussi, ils se persactent, donc ils peuvent parfaitement se tromper aussi. Il peut y avoir des erreurs commises par la persection et donc ça ne sera pas forcément une réussite. Bien sûr, donc il ne faut pas tout chercher en termes de fonctionnalité, calcul, résultat, d'intentionnalité, ça marche autrement. Donc, d'une part, les clics ont cet effet. D'autre part, les clics, ils interviennent dans ce qu'on appelle l'écolocation. Alors, en français, il faut dire l'écolocalisation, c'est location en anglais. Location voulant dire localisation et non pas location. Bon, donc, l'emprunt en français, on dit toujours écolocation, mais écolocation, ça ne veut pas dire grand-chose. Je me perds. Donc, écolocation. Alors, en quoi consiste l'écolocation? C'est le principe du radar en milieu atmosphérique ou du sonar en milieu sous-marin. C'est-à-dire que vous utilisez votre voix comme un sous-marin envoie un ping pour que cet écho sonore aille rebondir sur les obstacles et revienne avec un temps de latence et de déformation qui va donc donner une information sur la nature de l'obstacle présent en face, sa distance, ses propriétés, etc. Donc on sait que les dauphins s'assistent de leur clic pour la navigation, pour l'identification et reconnaissance des prédateurs, des proies, des femelles, etc. Donc ça c'est la première chose. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que des travaux neurophysiologiques récents et puis un modèle de simulation et de modélisation à partir d'une technologie qui s'appelle le Simaglif, développé par Jacques Kasevitz aux États-Unis, je ne sais plus quelle université, je l'ai écrit quelque part. On est en train de montrer que le traitement sonore, en fait, n'est pas assumé comme sonore séparément du visuel. C'est-à-dire que dans le cas de l'humain, vous avez une distinction claire dans votre expérience de ce qui relève du traitement visuel par le système oculomoteur et du traitement acoustique par le système auditif. Et donc, vous avez des consciences séparées de ce que vous voyez, de ce que vous entendez. Alors que chez d'autres espèces, ça se passe autrement. Vous avez une intégration des signaux qui ont été captés par le système visuel et des signaux qui ont été captés par le système auditif. Et cette intégration permet de fusionner le traitement et donc de faire apparaître un paysage syncrétique qui résulte à la fois de ce que vous avez capté au niveau acoustique et de ce que vous avez capté au niveau optique. Et du coup, la conséquence, c'est que le dauphin voit ce qu'il entend.
C'est-à-dire que l'écho du dauphin est intégré au système visuel et donc, du coup, l'écho va se manifester comme pour le spot du radar ou exactement comme pour le spot du radar, ce qui au départ est une onde radioélectrique ou acoustique va être traduite par le système cognitif en quelque chose de visuel. Et donc, du coup, rien qu'à partir de la simulation par Simaglif, à partir d'événements sonores, on arrive à se mettre en face d'un plongeur et à faire apparaître ceci, rien visuellement, rien, c'est-à-dire un plongeur en face de soi. Et donc l'hypothèse, c'est lorsque le dauphin est à grande profondeur où il n'y a plus de lumière et plus rien à voir, sa voix lui permet d'intégrer à son système de perception une expérience visuelle qu'il a produite à partir de sa voix. Alors là, notre travail d'être humain, c'est d'essayer d'imaginer concrètement ce que ça donne dans l'expérience vécue. Ce que ça donne dans l'expérience vécue, c'est imaginez-vous dans cette salle complètement obscure, en nuit noire, et donc nous sommes dans l'obscurité totale, et nous avons une voix magique qui est qu'à chaque fois que nous faisons « A », eh bien l'écho me revient et me fait apparaître la salle comme lumineuse. Voilà, c'est à peu près ça qui se passe. C'est-à-dire que nous sommes quand nous cliquons comme le dauphin, quand nous faisons « crrr », eh bien le temps de faire « crrr », brièvement, la salle flash, comme si elle était couverte d'un revêtement réfléchissant les ondes vocales, mais dans les fréquences visuelles. D'accord? Donc, vraisemblablement, alors bien sûr, on est dans l'hypothèse, on est dans le controversé, mais l'exercice, c'est ça. C'est essayer de comprendre ce que peut être une expérience de perception chez le dauphin à partir de l'inscription corporelle des processus qu'on est capable d'identifier et de la modélisation technique que l'on est capable de faire en tant qu'humain pour essayer d'avoir un modèle artificiel approchant et qui nous donne une petite idée, une toute petite idée, tendanciellement, de ce qui peut se passer. Là, à ce moment-là, effectivement, on s'est peut-être un tout petit peu rapproché du monde des dauphins. Et une dernière chose que je voudrais dire sur le monde delphinien, c'est qu'il semble aussi que dans certaines tribus de dauphins, certaines communautés, on a observé des capacités de certains individus à reproduire dans leur clic, pas simplement le clic actif pour faire briller, j'allais dire, le monde réel autour d'eux, mais qu'il y a aussi des clics mimétiques, c'est-à-dire qu'ils semblent capables de reproduire par leur clic les clics tels qu'ils les ont entendus revenir. Donc, je m'explique. Je suis un dauphin. Vous êtes un requin. Je clique devant vous. Mes clics me reviennent déformés par votre requinité. D'accord? Jusque-là, c'est clair. Et moi, j'ai bien intégré le clic retour requinisé. Ensuite, je rencontre un autre dauphin, et devant l'autre dauphin, je reproduis mes clics requinisés. Et donc, que comprend l'autre dauphin? L'autre dauphin entend un clic requinisé parce que lui-même a déjà vécu des clics requinisés, et il va les reconnaître. Et l'effet, ça va être, attention, requin. Vous voyez comment ça marche? Donc là, du coup, est-ce que c'est du langage ou pas du langage? Ça va être une décision terminologique, vous voyez. C'est-à-dire, dans un premier temps, on essaye de comprendre ce qui se passe, et dans un deuxième temps, on se demande, est-ce que le lexique dont on dispose pour parler de ça est adéquat ou pas? Est-ce qu'on va garder le lexique traditionnel et revoir les définitions en précisant des choses? Ou est-ce qu'il va nous falloir inventer une nouvelle terminologie? Alors, en quoi est-ce que c'est du langage? C'est du langage au sens où, quelque part, finalement, il y a, on n'ira peut-être pas jusqu'à dire une fonction symbolique, c'est peut-être un peu exagéré, mais au moins, ça suppose des processus de mémorisation et de récupération d'expériences antérieures à travers lesquelles se sont déjà construites des catégories. C'est-à-dire que, du coup, il va y avoir des clics catégorisés, du moins des clics récurrents, qui vont mener à l'identification mémorielle d'impressions déjà vécues. On peut appeler ça une catégorie si on veut, mais là aussi, c'est une décision terminologique qui engage un débat. En tout cas, c'est ça qui se passe. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui rapproche les échanges de clics de certains phénomènes qu'on a dans le lexique humain. Maintenant, qu'est-ce qui éloigne ça du langage humain? Ben, si le dauphin ne sait pas faire plus que ça, à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne peut parler que de ce qu'il vit ou de ce qu'il vient de vivre contextuellement. C'est-à-dire que le contenu de la prise de parole chez le dauphin va être déterminé par le contexte et motivé par l'insertion de cet élément de contexte dans la gestion de la vie du groupe,
du style coordonner plusieurs requins pour coordonner plusieurs dauphins pour contre-attaquer un requin ou du moins le menacer et protéger les petits, etc. Parce que l'enjeu, c'est ça. C'est-à-dire, en général, le dauphin n'est pas en mesure de gagner individuellement, n'est pas en mesure de gagner contre le requin, mais plusieurs dauphins ensemble peuvent se coordonner pour éloigner le requin, l'intimider, enfin, et bref, jouer un rôle plus ou moins salvateur sur la gestion du groupe. Et là, le clic va jouer évidemment un rôle constitutif. Okay, et donc permettre des effets de coordination de groupe et des prises d'initiative. Et ça, c'est un trait partagé avec le langage humain. Alors, un langage contextuellement motivé, c'est ce qui m'arriverait, par exemple, si en entrant dans cette salle, je ne pouvais parler de rien d'autre que de la salle et de la gestion de nos rapports dans le contexte de cette salle, répartition des chaises, tables, boissons, etc. Voilà. Ça serait un dialecte humain contextuellement déterminé, c'est-à-dire avec un certain espace de liberté, de coordination, d'improvisation, mais dans un domaine de définition sémantique et pragmatique qui dépend entièrement de l'environnement dans lequel on s'inscrit. Et donc, il ne me serait pas possible de parler de la météo extérieure, justement parce que je n'ai pas accès à une confrontation à la météo extérieure et que cet élément-là du contexte est extérieur à la situation dans laquelle on interagit. Donc, sous cet angle-là, on n'a pas de raison de penser que le langage delphinien possède des propriétés de créativité et d'autonomie qu'on a dans le langage humain. Parce que ce qui distingue fondamentalement le langage humain des autres langages, c'est quand même avant tout qu'on, dans le langage humain, on arrive à parler de n'importe quoi, n'importe quand. Et si tout à coup j'ai envie de vous dire la phrase de Chomsky, « Colorless green ideas, sleep curiously », et donc d'évoquer à brûle-pourpoint Chomsky et puis cette phrase, alors que ça n'a rien à voir avec ce dont je suis en train de parler, ben je peux le faire. Le langage humain me donne cette liberté. Alors que le langage delphinien tel qu'on le connaît, j'ai dit bien tel qu'on le connaît, parce que peut-être qu'on se trompe justement, mais tel qu'on le connaît, pour ceux qu'on en a appréhendé, il ne leur donne pas cette possibilité. Ok ? Combien de temps ? Plus grand-chose, d'accord. Bon, de toute façon, je savais que je n'arriverais pas au bout, mais ça vous donne un bon échantillonnage. On va juste survoler le reste. Bon, alors là, j'avais le même type, de toute façon, le PowerPoint sera disponible, j'avais le même type de considération sur la constitution de l'expérience de l'embryon et du fœtus selon Tomatis à partir des expériences sur ce qu'il appelle la nuit utérine, etc., l'oreille électronique. Alors, bien sûr, Tomatis est controversé, etc. On sait tout ça, mais en attendant, il y a quelque chose d'intéressant dans le travail de Tomatis qui est la dimension phénoménologique et phénoménogénique extrêmement importante. J'aurais aimé expliciter ça, mais ça prendrait du temps. Donc ça, je vais esquiver un petit peu. Alors, pour la question des environnements. Donc, les environnements que l'on construit par la perception sont toujours multimodaux. Mais la relation entre les différentes modalités varie d'une espèce à l'autre et varie d'une technique à l'autre. Là, dernièrement, enfin, il y a 1 ou 2 ans, j'ai entendu parler d'une extension de technique de perception humaine qui s'appelle les applibules électroniques. Alors, qu'est-ce que c'est que les applibules électroniques? Vous avez des gens qui ont une hypersensibilité électromagnétique et qui ne vont pas supporter la présence d'un téléphone portable, d'un relais, etc. Et il existe quelque chose qui a été mis au point pour eux à titre expérimental. C'est un système qui ressemble à des Google Glass, sauf que ce n'est pas des Google Glass, qui possède un détecteur d'ondes électromagnétiques et qui va intégrer dans le champ visuel des bulles lumineuses qui sont des simulations, des modèles, des champs électromagnétiques tels qu'ils sont détectés par le système d'antennes auquel les caméras sont couplées. Et donc, du coup, si vous portez ces lunettes, vous évoluez dans un monde dans lequel vous voyez apparaître des bulles de différentes tailles, couleurs, dilatations, densités, etc., qui vous donnent une identification du type d'onde et de leur intensité. Votre rapport au monde est persacté, change complètement. Votre navigation dans l'espace va évoluer en fonction de ces bulles que vous ne verriez pas, évidemment, si vous ne portez pas la technologie en question. Et vous, du coup, vous circulez dans une autre réalité dont on ne sait pas très bien dire si elle est réelle ou virtuelle, parce que c'est un monde qui se présente comme virtuel et qui, en réalité, ne l'est pas du tout. Je veux dire, donc là, entre le réel et le virtuel, on a du mal. C'est simplement de la perception technologiquement augmentée, technologiquement améliorée, exactement comme le dauphin est capable d'augmenter sa perception avec les clics vocaux, mais par des moyens issus directement de la Fata Morgana et sans prothèse technologique au sens le roi Gouran, puisqu'on a parlé de le roi Gouran aussi ce matin. Alors, très rapidement, excusez-moi, il faut que j'atteigne dans le bon sens. Tac. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, l'instrumentation avec l'histoire de l'aigle. Quand on s'instrumente pour modéliser la perception, on peut faire n'importe quoi si on ne distingue pas traitement du signal et perception. Ça, il faut vraiment bien
traiter les deux. Fragmentation, on en a parlé, The Matrix. Enfin, j'ai dit l'essentiel, point de vue linguistique. Alors, point de vue linguistique, donc j'appelle ça la terminéologie. Hein. La terminologie expérimentale, la terminéologie, c'est cette terminologie qui nous permet justement de modifier notre rapport au réel, qui est déjà ontosynthétique. Exemple, dans ma vie quotidienne, j'ai inventé des mots comme engazé pour une rue polluée. Et donc, quand je suis dans la rue, je m'arrange toujours pour choisir les rues qui sont les moins engazées, ou pour choisir le côté de la rue qui est le moins engazé, parce que je sais par habitude que le vent a tendance à transporter le diesel d'un côté plutôt que de l'autre. Vous avez tous ça dans votre expérience, d'une manière ou d'une autre, votre expérience intuitive, mais vous ne l'avez peut-être pas conscientisé réflexivement au moyen d'une terminologie simple qui vous permette d'avoir un discours simple sur la question. Alors que moi, maintenant, ça y est, baguette magique, avec mon mot engazement, engazé, etc., j'ai l'outil technologique qui me permet d'augmenter ma perception. Et donc, je vous garantis que quand je sors dans la rue, ma conscience de la rue n'est pas la même que la vôtre, au sens où je vois potentiellement les nuages de fumée grâce au langage, exactement comme un chien, lui, par contre, va intégrer dans son système visuel la trace olfactive et la projeter de manière à pouvoir s'élancer en courant. Bref, les chiens font ça avec la perception olfactive. Il y a une liaison avec le système visuel qui fait que, d'une certaine manière, ils voient l'odeur, alors que c'est une simulation. L'odeur est invisible, mais ils la voient, parce qu'ils peuvent l'intégrer au champ visuel. Voilà. Et donc, conclusion, j'ai dit l'essentiel. Alors maintenant, c'est la modératrice qui décide. J'ai une petite vidéo qui dure 3 minutes. Je pourrais montrer 1 minute pour montrer l'intégration sensorimotrice, mais ça dépend. Je ne me rends pas compte du temps. Alors, dans ce cas-là, alors voilà. C'est ça, et en mettant le son. At any one moment, we are being bombarded by sensory information. Our brains do a remarkable job of making sense of it all. It seems easy enough to separate the sounds we hear from the sights we see. But there is one illusion that reveals this isn't always the case. Ba, ba, ba. Have a look at this. Ba, what do you ba, hear? Ba, ba. Vous entendez quoi? Ba, 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 ba. But look what happens ba, when we change the picture. Ba, ba. Vous entendez quoi? Ba. Vous êtes sûr? Ba, ba. And yet, the sound hasn't changed. In every clip, you are only ever hearing ba with a B. Ba, ba, ba. It's an illusion known as the McGurk effect. Ba, take another look. Ba, ba, concentrate first ba, on the right of the screen. Ba, now to the left ba, of the screen. Ba. The illusion occurs because what you are seeing clashes with what you are hearing. In the illusion, what we see overrides. J'explique ce qui se passe. Comme vous l'avez constaté, quand vous regardez le bonhomme de droite, vous n'entendez pas. Quand vous regardez le bonhomme de gauche, vous n'entendez pas. Pourtant, le signal. Vous entendez deux signaux qui sont différents. C'est-à-dire que le signal acoustique traité est toujours le même. Et le signal acoustique. Pas. Je vais reprendre le micro tant qu'à faire et réveiller tout le monde. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle la théorie motrice de la perception auditive de Mattingly et Lieberman. Ça remonte à 1985 et beaucoup de travaux ont été faits là-dessus. Il se trouve que lorsque vous entendez un son de type vocal, vocalisation humaine, votre système auditif reconnaît instantanément le système moteur par lequel vous produiriez le même son. Et donc, du coup, lorsque vous persactez une impression auditive, la persaction auditive va intégrer le traitement du signal avec la simulation motrice correspondante. Et donc, le système cortical prend une décision sur le son dont il s'agit à partir d'un modèle moteur. Et donc, si on triche, c'est-à-dire si on vous fait entendre pas, mais qu'on vous a montré à l'écran, pas. D'accord? Et vous voyez, il triche un peu parce qu'il passe bien la lèvre inférieure sous les incisives supérieures, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle du priming, de l'amorçage. Visuellement, il amène votre cerveau à décider
que le geste est celui du F et non pas celui du P. Ce qui fait qu'au moment où le signal acoustique arrive et demande à être traité, ben c'est trop tard. C'est-à-dire que la sélection du geste moteur a déjà été faite à cause du signal visuel, et du coup c'est trop tard pour recalculer que le pas acoustique correspond à un pas auditif, il n'y a rien à faire, la décision est irréversible. Le traitement neurophysiologique est irréversible et la persaction est partie sur du fa et non pas sur du pa à cause du priming visuel. Ça, c'est la démonstration que c'est bien de la persaction et non pas du traitement du signal. C'est vraiment la démonstration parce que du coup, le paradoxe, c'est que ça vous donne la liberté de contrôler ce que vous entendez. Quand vous regardez à droite, vous n'entendez pas parce que vous avez amorcé par priming visuel du pa. Et quand vous regardez à gauche, vous entendez du fa parce que vous avez amorcé par priming visuel du fa. Et vous avez beau connaître le truc, ça ne change rien. À la fin du reportage, il dit, c'est dingue, je travaille depuis 30 ans sur l'effet McGurk, je connais le truc, ça ne change rien. On ne peut pas empêcher les processus de persaction primaire de fonctionner en mode pilotage automatique, quand bien même on les connaît. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà, ça c'est une illustration de l'inscription motrice de la perception. Et il faut bien comprendre que si un bébé acquiert comme par magie le langage, on n'est pas obligé d'aller dans l'hypothèse de l'instinct de langage ou dans l'hypothèse d'une grammaire universelle innée comme programmée par le grand créateur sur le disque, etc. Une simple affaire de coordination motrice, sensorimotrice, multimodale, passant entre autres par la vision, les neurones miroirs et tout le reste, suffit à expliquer pourquoi le corps qui se développe va mécaniquement s'engager dans une série de processus qui sont ceux de la communauté. C'est simplement parce que la persaction de l'être ultérieur poursuit la persaction de la communauté des êtres antérieurs et de la communauté où il s'insère. Et Thomas Tis allait aussi dans cette direction-là. Voilà, j'arrête.